Aujourd'hui, Marcus Monet, 24 ans, va vous montrer comment gagner de l'argent vraiment facilement en seulement 10 étapes. Marcus vous rappelle que, comme l'a dit Pluton, la victoire sur soi est la plus grande des victoires. Hello, bonjour. Bonjour Monsieur Monet, je suis Béatrice Delangue. Je m'occupe du service des ressources humaines au sein de la Bourse de Paris. Et je vous contacte aujourd'hui car nous apprécions beaucoup votre travail et nous souhaiterions nous entretenir avec vous demain. On vous propose donc un poste de trader. Seriez-vous intéressé par cet emploi? Ça m'intéresse fortement, du coup on va se voir demain. Oui, je suis disponible. Et bon, on se voit demain alors, d'accord, à votre bureau. Et bah merci à vous. Merci, au revoir. C'était qui? Bah gros, c'était la Bourse de Paris, ils veulent que je sois trader pour eux. Un taf pour trader, mais t'es même pas trader. Quoi? Bien sûr que si, j'ai rendez-vous demain et putain, je suis trader, je taffe tous les jours. Mais comment ça t'es trader? T'as vu comment t'es habillé? Ouais, j'avoue, t'as peut-être raison. Mais après, j'avais besoin de cet argent et de ce travail. Sinon, après, je vais pas pouvoir payer la coloc et je vais devoir rentrer chez ma mère. Mais oublie, j'ai rangé ma chambre. Ah bah, dur. Mais tu connais quoi en trading? Pour l'instant, tout ce que je sais, c'est que je sais rien. Puis j'ai 24 heures pour apprendre tout ça. Ouais, mais tout ce que je sais, c'est que tu dois surtout te racheter de nouveaux habits. Hein. Gros, j'ai pas de thunes. On va faire un truc. Non. On va jouer à la capsule. Non, tu me saoules avec ta capsule, c'est toujours la même chose. Ouais, mais elle appartenait à mon père, c'est mon objet fétiche. Prends les anciens. Allons-y. Et t'as que ça? Bah ouais. Tu veux pas en racheter d'autres? Bah non, ça me suffit. Et tu veux mettre lequel? C'est le blanc. Quoi là? Je sais pas. Soit on achète des futures trading ou soit on regarde des vidéos sur internet. Il y a une solution. Putain, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas possible. Non, gros, arrête. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas ce qui se passe. Non, putain, non, ouais, on peut pas nous lâcher comme non, ça. Non, pas là. Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? Ah, attends. Putain, les gros. Non, putain. Mais Marcus, t'as pas ta pote là qui travaille en informatique? Je sais plus comment, Raph. Mais putain, mais si! C'est une putain d'idée ça! Bah, appelle-la! Elle va me dépanner un PC. Bah ouais. Vas-y, viens, fais ça. Bon, bah voilà les gars, c'est tout ce que j'ai. Putain, ça va être chaud! Ah ouais, mais je peux pas avoir mieux. Non, c'est bizarre. Hein. Oh putain, ça craint sa mère! Il va vraiment devoir faire avec ça? Ah oui, franchement, j'ai rien d'autre. Tant pis, on va faire comme ça. On va faire avec. Hein. Mais Marcus, on n'a pas dit qu'on allait acheter des livres tout à l'heure? Putain, si, j'avais oublié. Bah viens, on y va. Putain, je suis chaud, vas-y, on y va. Putain, mais quelle heure? Bah, je sais pas, il est tard, là, non? Putain, mais il est super tard! Ah, ça doit fermer. Viens, rentre. Ah, ouais. Putain mec, t'es sacrément con. Qu'y a? Qu'y a, gros? C'était pas branché. Oh, putain de merde! Ah, putain, on peut y aller du coup là. Mais c'est quoi ça? Non mais ça, j'ai fait ça, c'est pour YouTube. Bah ça dit quoi? Ouais, c'est 10 solutions pour gagner plein d'argent. Bah tu fais une vidéo pour gagner de l'argent, mais tu vis pas dans la vraie vie. Parce que c'est une arnaque, j'ai piqué ça d'un youtubeur américain. Mais tu les as essayés? Bah non. Viens, on essaye. On essaye. On est vraiment... Non mais gros, non, arrête, ça sert à rien, gros. Non, j'en essaye. Allô? Pardon? C'est pas grave. Bonne journée. Au revoir. C'était qui? Gros, c'était l'entreprise. Ils se sont trompés, Marcus. Y'a un autre Marcus Monet. Donc du coup, t'as pas de rendez-vous? Non, j'ai rien du tout. Non, c'est pas possible. Putain, ça me casse les couilles. Il y a écrit plus 5000. Quoi? Plus 5000? C'est-à-dire que ce qu'on a fait hier soir, ça a marché?
Putain, le feu! Comme disait Marcus Aurèle, qui vit bien avec soi-même, vit bien dans l'univers. Le mec, c'est avec l'univers. Tant pis.